Début de journée. Il fait une journée magnifique encore aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous prenons l'autobus pour nous rendre à environ 16 km à l'est d'ici, passer la journée en catamaran et faire de la plongée sous-marine à la deuxième plus grosse barrière de corail au monde, selon notre guide. Suivez-moi. Merci, gracias. C'est vers 8 heures le matin que l'autobus vient nous chercher pour nous amener à environ 16 km à l'est de notre hôtel, au centre de catamaran. L'activité en catamaran aujourd'hui consiste à aller nager et plonger dans les eaux chaudes tropicales pour découvrir le monde fantastique coloré sous-marin de Cuba. Et bien sûr, lors de cette promenade relaxante, nous allons pouvoir débuter notre bronzage. Go, please. Follow me. Move it for both sides. Wait. Oh. Oh. Gracias. Go down. I'm coming back. La barrière de corail de Cayo Coco à Cuba serait, selon notre guide, la deuxième plus grande dans le monde. Elle abrite une grande variété de vie marine, y compris des poissons tropicaux colorés, des tortues de mer, des raies, des requins, des dauphins et des barracudas.
Les coraux eux-mêmes sont également spectaculaires, avec des couleurs et des formes qui varient du rose pastel rouge vif, en passant par le jaune, le vert et le bleu. Lors de notre excursion, nous aurons la chance de visiter deux sites pour faire de la plongée. Le gouvernement cubain a pris des mesures pour protéger la barrière de corail de Cayo Coco, notamment en limitant le nombre de visiteurs autorisés sur l'île et en interdisant la pêche et la collecte de coraux. Les visiteurs sont vraiment encouragés à respecter l'environnement et à prendre des précautions pour ne pas endommager les coraux fragiles. Il faut dire que cette barrière de corail qui entoure l'île est l'un des principaux attraits touristiques de la région, offrant des possibilités de plongée et de snorkeling inoubliables. Après avoir fait nos deux plongées, le capitaine du catamaran nous amène à un endroit tout à fait paradisiaque où on peut aller se baigner sur une dune de sable dans l'eau chaude et cristalline de l'océan. C'est vraiment un endroit qui fait rêver. T'en vois ses yeux là. Tiens, ça te prend la fin. Il faudrait aller faire de l'apnée un peu. Jeez! Ouais. Ses yeux sont là, ouais. Ah ouais. Regarde ça, Pierre. Wow, sont-ils beaux, hein? Regarde, ses yeux sont là. Ses yeux sont dans le coin, là. Il a peur. C'est plus creux là-bas, ou? Non, pas tout. Non? Tu l'as-tu vu sortir avant d'aller chercher? Non! Oui. Après cette baignade, dont personne ne voulait qu'elle se termine, le capitaine du catamaran nous offre une généreuse portion de langoustine avant de terminer notre balade et de revenir au port. Ah!
Escucha mami, mira la alarma. Cógelo suave, cógelo con calma. Mira que te gusta la calentadera. Cuando suena la alarma, tú te desesperas. Y eres la primera. Por eso tengo que decirte, camino y bota afuera. Porque tú eres maliciosa y egoísta. Y se te olvida que soy artista. Ahí no se te puede ir. Si tú sabes que conmigo no hay nada que se resista. La que quiere, quiere. C'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime ». Et je vous invite aussi à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures à Playa Paraíso dans l'archipel Jardines del Rey à Cuba. En attendant la suite de mes aventures, je vous invite à regarder quelques images de la prochaine vidéo.